nous avons ici le prix officiel de vente de ce produit-là ici au Bénin. Et nous avons dit, on ne peut pas avoir ce prix-là de vente officiel de ce produit ici au Bénin et venir le facturer à 6 millions, alors que c'est 1 625 000. Le concessionnaire officiel de Honda au Bénin nous a répondu par écrit en nous disant, la moto là, voici son prix. Si vous voulez acheter 84, je suis même prêt à vous faire encore une remise. Voici la lettre. Et nous estimons que si nous voulons faire économie pour l'État béninois, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire non. Vous ne pouvez pas nous vendre à 6 millions une moto que l'on vend au plus fort à 1 600 000. Le prix varie entre 980 000 et 1 600 000. Donc celui qui va à 980 000, il est dans les chiffres. Celui qui va jusqu'à 1 625 000 est dans les chiffres, mais pas au-delà. Que le classement sans suite n'a rien à voir avec un quelconque, on a blanchi l'intéressé. L'infraction peut être constituée. Quand bien même l'infraction est constituée, le procureur de la République a la possibilité de classer, de procéder à un classement sans suite. En fait, la décision de classement sans suite veut dire quoi? Le procureur, au vu du dossier, pense que l'infraction est constituée, mais n'est pas assez caractérisée. C'est une éventualité. Il pense que ce n'est pas assez caractérisé. Il peut classer momentanément le dossier, quitte à poursuivre les investigations.